Soyez le bienvenu sur le website du Tabernacle de Dieu de Long Island. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Oh, toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, oh Dieu de paix. S'unisse tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, oh Dieu, rends-nous meilleurs. Change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir, aimer, t'obéir, notre plaisir. Ainsi conduit par toi, vivant selon ta loi, ô notre roi, vers le ciel radieux, séjour de bienheureux, nous marcherons joyeux, toujours joyeux. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Le cantique que notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche va entonner est la prière que chacun de nous doit adresser à Dieu et lui dire « Ah, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur, sœur Rebecca Dimanche. Pardonne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme. Confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple
sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Tu veux compatir de toutes tes âmes, viens me revêtir par plus de prières, de avec toi donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux. Qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Et maintenant, mes frères, mes sœurs bien-aimées, nous allons invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu, par la prière. Et cette prière sera faite par notre bien-aimé pasteur, Jimmy Dodin. Bon Dieu, Père Céleste, merci pour ce dimanche, ce deuxième dimanche du mois d'octobre, où nous sommes venus, ô Dieu, devant ta face avec nos frères et sœurs dispersés à travers le monde. Oh, ce matin, nous nous approchons devant ta face avec empressement pour t'adorer, pour te louer, pour salmodier ton nom. Oh, merci Seigneur pour cette semaine passée où nous étions ça et là, recherchant le moyen de continuer à vivre dans cette vie si pénible, si difficile. Merci, oh Dieu, de nous avoir gardés au cours de cette semaine. Merci de nous avoir protégés. Merci, ô Dieu, de ce que nous avons ce matin, où nous avons, ô Dieu, la liberté de t'adorer avec nos frères, de former une faisceau d'adoration. Seigneur, merci aussi de ce que ce matin, encore une fois, tu nous ouvres tes bras, tu nous ouvres ton cœur, où nous pouvons, ô Dieu, nous reposer. Merci pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, hier encore, nous étions perdus, mais ce matin,
Nous savons que nous sommes retrouvés. Nous avons la vie que personne ne peut reprendre ou prendre. Mais tu nous donnes la vie éternelle. Et nous avons la garantie, nous avons la certitude qu'un jour, nous serons physiquement en ta présence. Oui, c'est pourquoi ce matin, nous voulons élever la voix pour célébrer ton nom, pour pousser des cris de joie, pour pousser des cris d'allégresse. Ô Dieu, merci de ce que depuis l'éternité, tu avais placé, ô Dieu, cette année, les moments que nous vivons dans le calepin de notre vie, sachant que, ô Dieu, que tu nous as équipés pour traverser ces moments difficiles. Ce matin, ô Dieu, nous voulons remettre le service entre tes mains. Merci, ô Dieu, pour tout cela qui auront à prendre part au cours de ce service, qui auront à chanter, qui auront à lire, qui auront, ô Dieu, à parler de ta part. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Permets, ô Dieu, que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Reçois, ô Dieu, les cris de notre cœur. Bénis, ô Dieu, chaque personne participant à ce service. Bénis aussi tous ceux-là qui auront tout simplement à écouter, à déguster, ô Dieu, ce service dans le plus profond secret de leur cœur. Écoute, ô Dieu, les prières que chacun t'adresse ce matin. Reçois, ô Dieu, tout par Jésus-Christ, notre divin Sauveur. À lui seul, nous donnons gloire, dès à présent et éternellement. Amen. Priez aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et maintenant, nous, les époux dormés, allons lire les versets du psaume 139, lecture après laquelle notre bien-aimé sœur Jokaël entonnera la toxologie « Gloire à Dieu, notre Créateur ». Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu,
me semble impénétrable, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains du sable. Je me veille et je me suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sors de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit Consolateur. La parole de Dieu déclare, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Écoutons à présent le frère Brokenson Sesson. My Jesus, my Savior, Lord, there is no like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty Lord. My comfort, my shelter, tower of refuge and friend, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will work at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing's compared to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is no like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty Lord. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I yearn, never cease to worship. Shout to the Lord, all the earth, let us see
power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will whirl at the sound of your name. I sing for joy at the words of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have in. Shout to the Lord, all the earth let us see. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will whirl at the sound of your name. I sing for joy at the words of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have in. Nothing compared to the promise I have. Nothing compared to the promise I have in you. La seconde lecture de la parole de Dieu sera faite par notre bien-aimée sœur Marie-Ange François. Lecture que nous retrouvons en 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, du verset 1er au verset 8. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les 8 premiers versets. Sœur Marie-Ange François. Amen. 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 8. Exhortation à la sainteté, à la charité, au travail. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous avait donné son Saint-Esprit. Que Dieu daigne bénir cette portion lue pour l'édification de nos âmes. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Sœur Rebecca Dimanche.
serai plus près. Dimanche, parce que les sautes chantées chantent pas moins. C'est ambition pas moins pour que le Seigneur s'érime puis précœuré. Et maintenant, mes frères, pour nous préparer à la grande prière du matin, la prière qui sera adressée à Dieu par le diacre Jean-Marie François, nous allons demander notre bien-aimé sœur Crépin pour les chanter les paroles du cantique au numéro 196 de la section française des chants d'espérance. 196 de la section française des chants d'espérance. Parole cantique ça, c'est une prière adressée à Dieu. Où l'auteur écrit, mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant. Rends-moi fidèle par ton secours, et sous ton aile, tiens-moi toujours, loin du danger, ô bon berger. Conduis mes pas jusqu'au trépas. Vois ma faiblesse et me soutiens. Par ta tendresse, je t'appartiens. Sœur Mathilde Crépin. Mon Dieu, mon Père, écoute. Oh,
change mon cœur, guide ma vie loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard, que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité. Oui, que ta main sur mon chemin soit, ô Dieu fort, mon seul support. Que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, ô Dieu d'amour. Rends-moi fidèle par ton secours et sous ton aile, tiens-moi toujours loin du danger. Conduis mes pas jusqu'au trépas. Vois ma faiblesse et me ta tendresse, je t'appartiens. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, corrompons nos fronts, alors que le diacre Jean-Marie François va s'adresser à Dieu. Au nom de tous les fidèles du tabernacle de Dieu de Long Island et au nom de tous les chrétiens sur la surface de la terre. Diacre Jean-Marie François. Amen. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours.
qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Mais nous, nous disons que notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de toute éternité, Dieu tout-puissant, toi, notre Maître, notre Seigneur, toi, notre refuge, notre tour forte. Oui, Seigneur, tu es notre refuge et c'est sur toi que nous comptons. Parce que tu l'as fait déjà pour nous et nous savons que tu le feras encore pour nous parce que tu es le Dieu de toute éternité. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bénédictions. Merci, Seigneur, pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour l'évangile que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu, pour la famille chrétienne en qui tu nous as mis pour t'adorer ensemble et pour former ce faisceau où nous pourrons trouver, Seigneur, aux forces en ta présence. Merci, Seigneur, de ce que tu es tout pour nous. Ce matin, tu nous as mis ensemble pour t'offrir notre adoration, notre reconnaissance pour ce que tu es pour nous et pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous reconnaître que c'est vous-même qui bon Dieu, et sans vous-même nous pas rien, sans vous-même nous pas faire rien. Nous reconnaître nous petits, nous faibles, nous sans force. C'est sur vous nous compter, Seigneur. Et nous connaître, Seigneur, Dieu, pas plaguer nous, parce que vous faites nos promesses ça. Oui, Seigneur, même dans la blanche vieillesse, vous pas plaguer nous. Seigneur, merci pour l'Église au matin qui réunit. Bien que nous distancions l'une de l'autre, mais Seigneur, rends-nous possible pour les familles chrétiennes, pour nous retrouver nous ensemble au bout de cette ligne, pour nous bonne adoration, nous, pour nous bonne reconnaissance, nous, pour nous bonne, oh Seigneur, exaltation que vous-même seul méritez. Seigneur, merci pour ton amour. Et merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait, pour ce que tu auras à faire ce matin envers nous. Oui, Seigneur, nous reconnaissons si cela, Seigneur, c'est parce qu'on remet nous. Parce que péché nous, le Seigneur Dieu, couvre-nous de la tête aux pieds. Seigneur, nous reconnaissons pas bon pour nous présenter devant, mais à cause de ta bonté, dans ton amour. Oh Seigneur Dieu, tu nous as fait grâce. Papa Matin, nous présenter le peuple devant vous. Nous présenter l'église, le tabernacle de Dieu de Long Island. Nous présenter, Seigneur Dieu, son berger, pasteur, notre pasteur, Seigneur. Oh, nous prions, Seigneur, fais grâce. Fais grâce pour pasteur dormir, fais grâce pour famille. Fais grâce, Seigneur Dieu, pour peuple sacobali, Seigneur Dieu, pour cette responsabilité, cette lourde responsabilité cobali. Nous connaissons, Seigneur Dieu, force qui t'a suffi pour mener peuple à Seigneur Dieu, à bout, Seigneur Dieu. Mais nous connaissons, Seigneur, par ta puissance, pour faire grâce pour lui. Seigneur, maintenant, nous prions, bali, Seigneur Dieu, tout ce qu'on connaît, toutes les âmes nécessaires pour le café travail, ça. Seigneur, les âmes spirituelles, ou connaît, Seigneur Dieu, ça a besoin, nous prions qu'un des serviteurs, bal force. Bali les âmes, Seigneur, physiques, bali la santé, Seigneur, car on connaît toute bagaille. Seigneur, préparez pour la police, Seigneur, tout collaborateur qu'on mettait autour de lui pour travailler ça qu'a fait. Nous connaît, Seigneur Dieu, c'est vous-même qui a fait provision pour l'Église. C'est vous-même qui a fait route, Seigneur, avec l'Église. Béni serviteur, béni famille, oui Seigneur, plan lié au projet lié au nom, nous connaissons Seigneur Dieu, c'est nous-mêmes qui avons mené à bout. Oui Seigneur,
dans tout ça que le compte est fait. Bénis, Seigneur, chaque famille qui composait cette église, l'aile de Long Island, l'aile de Brooklyn, Seigneur, et l'aile que vous mettez, Seigneur Dieu, pendant cette pandémie, que nous retrouvons, Seigneur, partout dans le monde, dans tous les États, ici, aux États-Unis, au Canada. Seigneur, nous prions, Seigneur, bénis chaque monde, chaque membre, chaque famille, qui, Seigneur Dieu, allié avec nous pour travailler ça à ta fête. Seigneur, nous connaissons le travail, là, ce n'est pas le travail d'un homme, ce n'est pas le travail du monde, ce n'est pas le travail d'une famille, mais c'est vous-même, Seigneur, qui bat nous, Seigneur, cette responsabilité pour nous prêcher l'évangile, pour nous annoncer la bonne nouvelle à ceux-là, à ça qui a perdu. Seigneur, nous prions, préparez chemin pour nous, Seigneur. Même si on te fait route dans le désert, là, pour te passer, malgré ni on te campé, Seigneur. Seigneur, ou te mené ou à l'écoute ou te préparé pour nous. Ou te fait route, Seigneur, dans le temps la mer rouge, pour te passer, pour te quitter l'Égypte. Nous connaissons à faire route pour l'Église ou pour le tabernacle de Dieu de Long Island, Seigneur, pour notre destination, nous, c'est le ciel. Nous prions, qu'aimez-nous, Seigneur, dans grâce ou aidez-nous, Seigneur Dieu, pour nous marcher, Seigneur Dieu, de victoire en victoire. Pour nous marcher, Seigneur, malgré problèmes, malgré difficultés. Oui, Seigneur, nous vivons dans un temps difficile. Dans un temps, Seigneur Dieu, côté nous pas qu'à réunir, nous n'avons pas qu'à réunir, nous l'autre, Seigneur. Mais Papa, Saint-Esprit, qu'aimez-nous ensemble. Le sang de Jésus, marie-nous ensemble, Seigneur. Oui, même si nous pas connaissons l'autre, mais Seigneur, ou connaît que nous, Seigneur Dieu, nous ensemble, Seigneur, dans le Seigneur. Seigneur, merci pour grâce, fais-nous. Merci pour ce service de ce matin. Merci pour le dirigeant du service. Merci, Seigneur Dieu, pour les chants et, Seigneur, pour les prières. Et merci, Seigneur, déjà pour ta parole, pour celui que ou choisi pour parler avec nous, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur Dieu, c'est vous-même qui a fait provision pour nous à travers lui-même, malgré préparation liée au Seigneur. Il pas qu'on ait besoin de nous. Il pas qu'on ait ça n'a pas cherché. Il pas qu'on ait, Seigneur Dieu, ça n'a pas attendu. Mais Seigneur, vous-même, vous connaissez toute bagaille. Nous prions parler à travers serviteur. Oui, Seigneur, aidez le Seigneur Dieu pour l'irriter dans nous-mêmes. Pour l'irriter, Seigneur Dieu, dans grâce. Où, et vous-même, Seigneur, vous va déverser tout peuple, Seigneur Dieu, des grâces que le pas même espéré le pas qu'à faire. Seigneur, tiens-nous dans l'amour. Bénis-nous ce matin et fais-nous grâce. Bénis, Seigneur Dieu, ça qui est loin, captant de nous. Nous prions, Seigneur, même grâce à vous fait pour nous, qui si aux États-Unis, vous fait pour vous, Seigneur, ça qui en France, ça au Seigneur Dieu, qui un peu partout dans le monde, captant des programmes, ça, Seigneur, ce service. Nous prions, Seigneur, va déverser grâce sur vous. Papa, dans le temps, nous avons des gens qui sont malades, Seigneur. Nous prions au Seigneur d'une façon spéciale pour notre bien-aimée sœur, maman, nous, Seigneur, sœur Baromètre. Nous prions au Seigneur dans l'amour, dans la miséricorde, et grâce pour servant tout. Nous prions au Seigneur béni serviteur, au Seigneur Dieu, diacre Baromètre, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur Dieu, l'œil malade, c'est toute famille malade. Nous prions au Seigneur béni famille, ça pour nous. Petit plio, partout côté, bah, aux forces dans le moment difficile. Car, Seigneur Dieu, nous connaissons des épreuves qui sont venues. Mais, Seigneur, aidez-nous pour nous tomber la foi dans le temps de toute difficulté. Oui, Seigneur, nous connaissons pour qu'on finisse avec servant tout, parce qu'il y a un travail pour faire pour toujours. Il y a un témoignage pour le bail pour vous, Seigneur. Partout côté le passé, c'est pour le dire. Sors fait pour lui et soyez pour lui, Seigneur. Nous prions qu'un des familles ça pour nous, qu'un des soeurs et l'homme pour nous, Seigneur, ou qu'on est servant tout. Nous prions toucher pour nous. Qu'un des frères Lévi pour nous, Seigneur, faites grâce pour serviteur. Qu'un des soeurs Gladys pour nous, Seigneur. De nous servant tout, Seigneur. Ou servant qui remet, ou servant malgré problème, malgré maladie, mais lui toujours, Seigneur, à l'attaque. Seigneur, touchez, Seigneur Dieu. Oh, notre frère Roland Pierre-Louis, Seigneur, qui a souffri. Nous prions, fais grâce pour serviteur. Pasteur Roland, amen, on fait grâce pour serviteur. Seigneur, frère Romain Saint-Jean, amen, on fait grâce pour serviteur.
Seigneur, tant d'autres qui malades parmi nous, que nous connaissons, Seigneur, nous prions, fais grâce pour eux dans le moment ça. Bénis l'église. Il y a un monde qui malade dans le temps nous là, Seigneur, nous ne pas connaître. Mais Seigneur, aucun adresse, nous connaissons, non, yo, non, yo écrit dans le planète. Nous prions dans le moment ça, même, bah, vous touchez pour nous. Seigneur, l'oncle de sœur, c'est là. Nous prions, fais grâce pour famille ça, pour oncle ça, Seigneur. Nous prions, Seigneur, touchez l'homme, nous touchez le cœur pour remettre tout entier à nous-mêmes. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour notre pays Haïti, un pays qui est déchiré, Seigneur, par la guerre intestine. Nous avons dévoré l'autre, Seigneur. Mais Seigneur, c'est nous-mêmes qui, Dieu de paix, c'est nous-mêmes, Seigneur, qui bâillons la paix. Parce que leur, Seigneur Dieu, organisation internationale, ils bâillent paix. C'est plus guerre, ils mettent. Mais Seigneur, Lord, dis-nous la paix, Seigneur, ou bien la vraie paix. Seigneur, songez pays nous, Haïti, dirigeant, Seigneur, dans la décision et après. Seigneur, nous prions, fais grâce, Seigneur, fais grâce pour pays nous. Oui, Seigneur, nous connaissons péché, nous, oui, Seigneur, tu as fait nous souffrir comme ça. Nous prions, nous demandons pardon pour, Seigneur, Dieu, péché tout Haïti. Oui, Seigneur, nous les chrétiens, nous prenons les sous-responsabilités, nous. Pour nous demander pardon, Seigneur, pour péché peuple nous, péché grand-parents nous, arrière-grand-parents nous, parce que, Seigneur Dieu, c'est dans vos doux, mais Seigneur, rachetez-nous, Seigneur, par ton sang, et vous faites nous vivre serviteurs. Seigneur, nous prions à cause de ça, au caprié, nous prions, fait grâce pour pays nous. Seigneur, dans le pays, ça, à côté de nous, à vivre, qui accueille nous, Seigneur, nous prions, Seigneur, fait grâce pour pays ça, à tout. Oui, Seigneur, sous peu, il y a des élections dans le pays. Mais nous connaissons ou même Seigneur, qui compte ça bon pour le pays. Parce qu'on connaît tout le bagage. Seigneur, nous prions, ou même, on va choisir le monde ça, ou connaît qu'à bon pour le peuple, pour qu'à prier. Parce que, Seigneur Dieu, nous connaissons, Seigneur, dans quel niveau de délinquance, Seigneur, le pays ça a tombé. Oui, Seigneur, il y a un pile bagaille malhonnête qui a fait. Et Seigneur, nous prenons ou apprenons notre. Nous prions, Seigneur, fais grâce pour nous, qui a prié. Et nous connaissons, Seigneur Dieu, à cause de nous, à cause de ça, qui a prié. Ou a fait grâce pour le pays. Papa, merci matin de ce que tu permets nous en présence. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence en nous et parmi nous, au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, bénis-nous. Bénis journée pour nous. Bénis semaine, non, Seigneur, qui commence. Permettez-nous d'avoir une semaine bénie et bénie à tous égards. Prends soin nous. Car au Seigneur Dieu qui pas travail en mi-temps nous. Nous prions, Seigneur, fais grâce pour nous. Ouvrez porte pour nous, Seigneur. Car nous vivons dans des jours difficiles. Nous connaissons. Mais Seigneur, ça y est qu'on fait grâce. Nous connaissons malgré mauvais temps. Nous allons passer avec nous, Seigneur. Merci pour tes grâces. Merci pour pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Nous bons toute gloire, tout honneur. Nous bons tout remerciement pour ce qu'on fait déjà et pour ce qu'on a fait toujours, Seigneur. Que nous bénis, que nous exaltés, que nous louons. Nous prions, Père, ce n'est pas parce que nous bons et nous dit, mais nous prions dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Reçois, ô Père, nos
Bien-aimé en Jésus-Christ, nous dit le Seigneur merci. Merci de ce que le miracle s'est encore accompli pour nous encore ce matin, puisque le réveillez-nous du sommeil dans lequel nous avons été plongés et lui permettre que nous respirions l'air frais du matin et nous croyons à l'instar de David, chacun de nous t'a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Nous voulons profiter de moment ça pour saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté nous retrouver nous. Il est vrai pour ceux qui sont à Brooklyn et ceux qui sont à Long Island, nous avons souhaité que nous retrouvions nous dans le même endroit, le même building. Côté yon ta capable ou l'autre, côté yon ta capable embrasser l'autre, mais les circonstances du moment pas permettre li à cause de la pandémie. Mais nous remercions le Seigneur de ce que li unit nous de cœur, d'âme et d'esprit. Nous capables ou yon par les yeux de la foi, nous capables toucher yon l'autre par les mains de la foi, nous capables sentir yon l'autre par l'odorat de la foi. Et nous dit Seigneur, merci de ce que nous avons la plus grande des espérances, à savoir que gagnant un jour, nous va rencontrer, parce que dans le plan le Seigneur, c'est pour que un jour, nous tous nous retrouvions nous ensemble. Nous saluons tous nos frères de Brooklyn, toutes nos sœurs, et si là, vous qui retrouvez-vous également à Long Island, à Queens, à Bronx, à Connecticut, en Floride, à New Jersey, à Boston, c'est là qui en France, au Canada, et nos frères et sœurs qui toujours viennent semaine après semaine ressourcer, c'est là qui retrouvé en Irlande, en Russie, au Portugal, au Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Dominique, Aruba, et tout ça qui retrouvé également en Haïti, frères nous, acteurs nous, qui toujours venir semaine après semaine et pour ressourcer de l'Évangile. Nous espérons que le Seigneur, par le canal du tabernacle de Dieu de Long Island, est capable de combler de grandes et de riches bénédictions. Nous saluons ces laïcs qui visitent nous pour la première fois parce que nous avons des liens inconnus que nous gagnons matin. Nous remercions le Seigneur de ce que vous êtes capable de visiter nous. Et nous connaissons que bon Dieu nous en fidèle, il est bon. Pas de monde qui cherche, qui ne peut pas trouver. Et pas de monde qui vient dans pied pour ne pas joindre grâce et bénédiction. Nous saluons notre bien-aimée sœur Marthe Bozil, qui était avec nous hier au soir et sûrement qui a écouté nos matins. Nous saluons et nous espérons que le Seigneur va jeter bénédiction en abondance sur vous-même. À Soya, n'a pas gagné service encore une fois. Ce sera le souper spirituel, le dernier culte de la journée. À 9h, nous va retrouver nous ensemble. Comme semaine après semaine, de lundi à jeudi, nous toujours avec les autres frères de famille pour Christ. Donc, songez que nous gagnons possibilité pour nous ressourcer nous de l'Évangile. Et vendredi prochain, nous va retourner pour l'étude biblique et comme nous t'ai annoncé dernièrement, nous avons la possibilité d'aborder un chapitre extrêmement intéressant qui concernait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir qu'il est Dieu à l'égal du Père et à l'égal de l'Esprit Saint. Donc, venez inviter d'autres amis et de telle sorte que vous connaissez notre Seigneur Jésus-Christ et lequel il a servi, lequel nous gagnons possibilité d'adorer. Et samedi prochain, comme nous toujours gagnons une ligne, c'est toujours un service de solo, de témoignage, de lecture de la parole de Dieu. Et c'est moment également pour nous toujours déposer requête nous par devant le trône de la grâce. Dimanche prochain, ce sera le troisième dimanche du mois d'octobre. Nous va ensemble encore une fois pour notre service d'adoration et de louanges à Dieu. Et comme nous toujours dit, prier les uns pour les autres. Nous remercions le diacre
François qui t'a fait ça tout à l'heure, prier pour nos malades, surtout ceux là qui parmi nous qui pas porté au bien, qui a une douleur dans le corps, qui a souffri dans le corps là. Nous connaissons que notre Dieu, il est à la fois le médecin de l'âme et du corps. Donc, nous avons toujours remettre nous à lui-même et selon sa sainte volonté, il est capable d'apporter solution à problème si là que nous avons confronté dans le temps qu'on a. Priez pour si là qui retrouvé à l'hôpital et qui connaît pas à cause de un problème quelconque qui n'est pas capable de retrouver yo ensemble avec nous. Donc, priez pour que le Seigneur qui permette de rétablir de telle sorte que nous sommes capables de retrouver nous ensemble les uns avec les autres. Songez, priez pour pays nous, même Jean-Diacre François Sautefel, Haïti, nous connaissons qui ça cap passé. Priez pour Israël, priez pour les États-Unis, et mes frères et mes sœurs, nous même cap suivre nouvelles, nous sommes capables de voir qui ça cap passé, mais puisque bon Dieu t'a fait nous promesse et t'a dit nous que Sila qui demeurait sous l'abri du Très-Haut, les reposer à l'ombre du Tout-Puissant. En dépit de ça, n'attendez, en dépit de ça, nouvelle que n'a regardé dans la télévision, nous connaissons que nous capables de reposer à l'ombre du Tout-Puissant, parce que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Nous souhaitons bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la prédication de la parole de Dieu, message que le Seigneur confiait à son serviteur, le frère Paul Compère, pour notre édification, notre encouragement et notre sanctification, nous allons inviter notre bien-aimée sœur Marie Bozil à chanter les paroles du cantique au numéro 171. 171 de la section française des chants d'espérance. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie t'honore en tout temps. Que de ta présence au milieu de nous, l'heureuse influence nous pénètre tous. Puissons-nous sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Sœur Marie Bozil. Seigneur sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie t'honore en tout temps. Que de ta présence au milieu de nous l'heureuse influence pénètre tous. Nous voulons sans cesse marcher dans la foi et dans la détresse regarder à toi, heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Oui, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité.
au nom de Jésus-Christ. On te prie. Amen. Frère Paul Compère. Nous voulons remercier notre Seigneur et notre Dieu de nous avoir choisis ce matin pour parler en son nom. Et nous remercions aussi notre pasteur qui nous associe à son ministère de prédication de l'Évangile. Nous disons que le Seigneur enfin nous aide à comprendre en ce qu'il veut nous faire dans cette vie chrétienne. Ce matin, encore une fois, nous avons un sujet devant nous. En c'est Dieu, que veut-il de nous? Bon Dieu, qui s'alvelait même de nous en tant que chrétiens, en tant que petites lits? La volonté de Dieu, mes frères, révélée par l'œuvre définitive du Christ, est que les chrétiens mènent une vie sainte ou consacrée. Chaque chrétien doit mener une vie sainte et consacrée. Dans la lecture que notre sœur bien-aimée avait faite pour nous, Dieu nous invite à la vie sainte. La vie chrétienne doit être encadrée par l'exhortation que Paul a adressée, à savoir l'inconduite sexuelle. Nous-mêmes qui avons étudié la Bible, assez souvent nous avons écrit Paul, il y a un bagaille qui sonne fort souvent. Ce commandement qui est adressé aux églises des nations païennes. Cela veut dire nation yo qui n'est pas juif, nation yo qui n'est pas connu bon Dieu. Yo enfin lui expliquer que assez souvent yo gardé l'esprit, yo gagne un sentiment de fornication. Yo gagne un sentiment d'impureté. Yo gon sentiment d'impudicité. Et par conséquent, c'est un péché lié pour nous autres en tant que chrétiens. Nous sommes capables de penser dans la culture pays saillot, tant que les Grecs ou bien les Romains, au sujet de sexualité, c'était un bagaille qui était en vogue. Tout le monde fait ça, yo vivre ou comprendre d'une manière contraire à la volonté de Dieu. Mais cependant, pour les Juifs et pour nous autres, les chrétiens, relations sexuelles avec monde qui pas madame nous, ou bien qui pas enfin tagadi dans le mariage, ce sont des choses qui interdites. Mais dans le pays sa yo, ou bien dans la culture sa yo, comme nous sommes cités, enfin les Grecs ou bien les Romains, c'est pas ton bagage qui était un problème. Parce que nous jouons en pile dans M. Sayo, yo enfin fait affaire yo, entre eux enfin en pile monde, qui pas madame yo, et même esclave yo tout. Relation Sayo, enfin, c'est bon Dieu, triste en pile. C'est peut-être ça l'apôtre Paul prend en pile temps. Les liens enfin a écrit l'église Sayo. Et nous sommes capables de dire que les Paul a écrit enfin à Thessaloniciens, yo, pas oublier, c'est après que enfin il recevait Timothée qui était passé la caillo. Et Timothée était bâillé un bon rapport de comportement, yo, à savoir l'amour fraternel que vous avez gagné. Mais défaut ça, yo, que nous sommes cités pour vous là, qui toujours à insister parce que nous dit yo c'était des païens qui peut-être convertis au Seigneur mais qui étaient toujours à cultiver cette pratique que bon Dieu lui-même lui reprouvait. Mais pour nous autres en tant que chrétiens, bon Dieu voulait ça, bon Dieu t'a remis que moi-même avoir nous pratiquer
c'est une vie de sainteté. Une vie, en d'autres termes, côté que action, attitude moins, conduite moins, l'état doué et sans reproche. Ou pas gagner bagaille qui souillé, bagaille qui pas en rapport. Parce que pas oublier, nous connaissons que bon Dieu que nous avons servi, c'est un bon Dieu qui sait. Et toute bagaille qui contraire à cette télé, lui souffrit de yo. Mais puisque l'irélé nous, l'itarin même, moi-même avec vous, pour nous capables de mener une vie de sainteté. Cependant, pour nous mener une vie de sainteté, hein, bon Dieu pas quitter nous pour contre nous. Il pas mandé nous pour nous saints, et puis la espérer que c'est moi-même avec qui pour rendre nous saints. Il en fait disposé à nous plusieurs aspects de en fait li dans relation ça nous gagnons pour nous capables ouais avec vous aspect ça yo l'action du Saint-Esprit non en travail à sainteté ya que bon Dieu a attendu de nous. Deuxièmement, nous gagnons pour nous ouais l'œuvre du Christ, sa Christ fait pour moi-même avoir pour nous capables saints. Troisièmement, nous t'aimons, ouais, le rôle du sang de Christ dans la vie de cet été, pour nous capables de mener. Et enfin, nous capables de dire, sanctification, liée au choix, bon Dieu. C'est bon Dieu qui choisit nous pour nous saints et nous capables de mettre nous à l'aise. Pour nous pas essayer baïter nos problèmes, puisque c'est ça, bon Dieu, voulait, pour que moi-même avec nous fait, les pas quitter nous pour contre nous. D'abord, on nous dit, c'est action Saint-Esprit, à cause de présence Saint-Esprit, qui dans la vie nous, les nous accepter Christ comme notre sauveur, chrétien yo, au comprendre, capable mener une vie de sainteté. Texte biblique montre nous que une vie sanctifiée plus possible à cause de la présence de l'action de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Les nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 13. Nous lit parole sayo pour nous frères bien-aimés du Seigneur. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est Paul qui dit que à cause de présence Saint-Esprit a bon Dieu promet à croyant yo pour être capable de vivre une vie qui n'est pas selon la chair. Car, en pile fois, après que nous finissons sauvés, nous avons tendance à continuer à vivre selon la chair. Il y a un pile monde, en fait souvent, quitter vie pratique, ils pensaient que, en effet, bon Dieu, dans sa grâce, capable de pitié pour moi. Mais yo passe aussi pour yo faire effort, pour yo capable quitter vieux bagaille yo te kon fait avant yo te converti. Bon Dieu exhorte nous selon ça Paul dit dans Galates au chapitre 5 au verset 16 et si nous t'a gardé depuis le commencement dans le verset 13 à 16 qui ça dit frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs des uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, et vous
dévorer les uns les autres, prenez garde que, vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, c'est un effort, bon Dieu m'a demandé, moi-même à coup, pour nous éviter, pour nous pas détruire une l'autre, pour nous pas vivre selon la chair, mais pour nous capables vivre selon l'esprit, bon Dieu. Car bon Dieu, c'est ça livré pour moi-même à vous. Pendant que la pandémie pour nous vivre dans la sanctification, mais c'est Jéphora que l'Italie met ouais, la caille moins, la caille où. Parce que trop souvent, nous ne voulons pas faire aucun effort du tout. Parce que, bon Dieu, il t'a remis que moi-même avec vous, pendant que nous avons servi, pour nous capables de rester toujours, pour nous affectionner nous à bagailles qui seront l'esprit. Même Jean-Paul écrit dans Romains chapitre 8 au verset 5, il dit ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, moi-même, à coup, nous besoin apprendre pour nous vivre selon l'esprit, non pas selon la chair. C'est vrai, l'esprit n'apporte pas la plénitude de la sanctification qui ne pourrait être connue qu'à la fin. Cela veut dire, pendant que bon Dieu a demandé nous pour nous vivre dans la sanctification, d'aller nous dire la sanctification, c'est un process, c'est une continuité. Pendant que nous avons fait effort, c'est vrai, bon Dieu prend nous dans l'état côté que nous t'ayons. Les nous convertis, nous te volés, nous te cupides, nous te manquais, nous te fait pratiquer les publicités sous toute la ligne. Mais Jolia nous convertit. Nous sommes des chrétiens. Bon Dieu investit dans nous. Il a demandé nous pour nous capables, au fur et à mesure, pour nous capables de quitter les bagailles que nous avons fait avant nous te connaître, pour nous capables d'essayer à marcher en d'autres termes vers cette perfection, vers cette sainteté que lui a demandé. La présence de l'esprit, bon Dieu, lui pas produire en nous la perfection finale qu'on y a, mais la porter une maturité croissante, la faire nous grandir dans enfin la vie chrétienne. Donc chrétien yo, bon Dieu, Saint-Esprit a voulu c'est de préparer nous à cette transformation finale pour nous capables arriver dans le ciel là. C'est rôle lui, c'est travail lui. Le Christ allait, lui dit la voyer l'esprit consolateur pour capable vivre dans mitan nous. Mais rôle lui, c'est pour aider nous à cause de présence Saint-Esprit bon Dieu qui dans nous à chaque fois nous t'avons fait un bagage qui mal. Le Saint-Esprit dit nous attention. Attention frère Paul. Bon Dieu investit trop dans vous. Il les bagages il pas attendre du tout. Que ou fait après que mettez Saint-Esprit en nous pour nous capables de connaître que il y a des bagailles à chaque fois la chair ça va pousser nous pour nous faire mais pour nous capables dire non mais moi-même à coup nous pas gain courage ça nous pas gain force ça mais rôle Saint-Esprit a c'est ça le fait la sanctification il pas capable nous pas capable comprendre ni seulement dans un travail bon Dieu, dans le travail Christ là. Parce que le Christ mourit sur la croix, a lui seulement réconcilié croyant avec bon Dieu. Jésus-Christ, en effet, lui en fait, bon nous, ça nous relève selon 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, lui portait la sagesse, la justice, la sanctification, et la rédemption. C'est ça, Jésus-Christ pour qui. Cependant, l'œuvre du Christ
dans la sanctification, li fondé sur réalité historique de sa mort expiatoire. Christ mourit, li rend possible, li rend sensible action Saint-Esprit. Les nous t'avons lire dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Et nous appelons pour vous verset 2 à 5. Il dit, nous avons lu depuis dans verset 1er. Galates chapitre 3. Il dit, ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication en de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Nous dit la sanctification, frère Mio, c'est en fait l'œuvre du Christ qui en fait bail, tête-li, qui offrit, qui ben nous en fait la paix. En versant son sang sur la croix, il établit une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Car c'est ça, à nous lire dans Hébreux au chapitre 10, les versets 10, il dit, ce nouveau sacrifice, il est efficace, à savoir Christ vini sur la croix, pour capable de réconcilier moi-même avec vous, pour nous capable de connaître que c'est le travail, bon Dieu, qui fait de moi, qui fait de vous, en ça que nous y est. Enfin, je dis, nous ne sommes pas capables de continuer à vivre les gens que nous voulons. Oui, nous dit que dans Hébreux au chapitre 10, au verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, Christ by Colli, pour capable de justifier moi-même à coup. Parce que d'après la justice de Dieu, tout le monde qui t'a péché, t'a dû payer des péchés. Il t'a dû enfin mourir pour capable satisfaire la justice de Dieu. Mais qui monde qui t'est capable d'aller sur la croix pour t'a capable payer péché pâle et péché l'humanité? Personne pas qualifié pour ça. Mais Jésus-Christ, c'est lui-même, il était enfin qualifié et lui bail tête comme un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il a parlé que, en fait, pour le monde est capable de justifier ou du moins de rendre pur, il était obligé d'offrir un sacrifice. Mais le sacrifice que tu fais, c'était seulement pour couvrir péché, ça, que lui fait joli. Hein. Mais si demain, lui t'a va paraître pour t'a fait une autre bagaille, lui besoin pour l'autre sacrifice, ainsi de suite. Et sacrifice que le fait, pas capable d'effacer le péché. Il est simplement couvrir, en fait ça le fait pour joli. Hein. Mais Christ vini, lui baille comme un sacrifice. Quel est le rôle du sang de Christ dans la vie du croyant? Nous dit les sacrifices de l'ancienne alliance pas capables de purifier nous. Ils sont capables seulement de purifier nous de la chair. Sacrifice à yo te permettre à Israël qui était souillé pour être capable de restaurer, pour entrer dans la communauté. Car nous lisons Nombre au chapitre 19,
On a vu comment bon Dieu t'a demandé Moïse et Aaron pour être capable enfin sacrifier une vache pour te brûler lui et sans lire avec sanglant à chaque fois il était capable en faire péché mais il était capable prendre en sens ça pour ça il aurait l'eau purifiée pour purifier monde. Mais c'est comme nous dit, c'était action Christ là qui t'a touché conditions intérieures pécheur là. L'épître aux Hébreux, le cœur de la question, là nous lit dans Hébreux au chapitre 1er, il montre nous en fait qui sacrifice bon Dieu et fait. Il expliquait que la réalité de la jouissance présente de la vie sanctifiée. Hébreux, chapitre 1er, nous joignent, et nous t'a lu depuis le commencement, mais par défaut de temps, n'a plus pour vous, qui ça, enfin Christ fait. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur, par lequel des anges, Dieu car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit le nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit les anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le cercle de ton règne est un cercle d'équité, etc. Donc, dans le chapitre ça, bon Dieu, apportez-nous ça Jésus-Christ représenté pour moi-même à coup. À savoir, dans la nouvelle alliance, Christ établi par la mort, c'est l'exaltation du Christ. Donc tout le monde est capable de connaître que pour moi-même avec vous, pour nous capables de s'annouiller, ça bon Dieu voulait que nous y ait, nous besoin de connaître que c'est bon Dieu seul, avec petit là, avec Saint-Esprit, qui est capable de faire l'un de nous. Nous dit la sanctification, mes frères, est capable possible. Comme nous dit, premièrement, c'est par l'œuvre ou bien de l'action du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est par l'œuvre de Christ lui-même. Et troisièmement, c'est par son sacrifice. Cela veut dire le sang que lui baille à la croix pour capable de satisfaire la justice de Dieu. C'est grâce à chacun saillot. C'est grâce à mouvement saillot qui est capable de permettre que moi-même à coup, nous capables de sanctifier. Mais pour nous sanctifier, faut nous accepter bagay sa yo. Vous connaissez en pile fois, bon Dieu mettez des bagay dans la ville, mais en pile fois, est-ce que nous voulons obéir? Est-ce que nous voulons accepter? Souvent, en pile monde, en effet, c'est pas l'évangile, non? En qui pas gagné. C'est pas parole, non, yon pas attendez. Mais en pile fois qui ça, yon fait, ah, ça c'est parole, frère Paul. Ah, on cher ou jeune garçon, Cancun, on voit avec toute vie sous moi, à parler pour mener une vie sanctifiée. Frère, c'est pas parole, pape. C'est pas parole, Paul. Mais c'est parole, bon Dieu. Ça, bon Dieu, blé. C'est ça le réclamer. Pour capable de vivre la côté
que li vle ou rive a, ou comprenne, c'est pour ka konnen ça. Car Paul dit, alors excusez-nous, l'Épître aux Hébreux, auteur a dit dans chapitre 12, on dit que la sanctification, frère, c'est un processus. C'est d'étape en étape. Il dit, puisque donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il considérait en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Oh, la serviteur auteur a continué dans ce chapitre-là pour le dire. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et des fils et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Frère, Absolio, la sanctification, c'est un bagage que bon Dieu mande nous pour nous faire. Et dans même Hébreux chapitre 12, là, tout va continuer à partir du verset 14. Ça dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère Maxime, objectif moins à coup dans la vie, ça, c'est pour nous capables de rencontrer avec Jésus-Christ au dernier jour. Pas une personne qui a vivre la vie chrétienne. Et vous pensez après la mort, et puis là, vous finissez. Ou du moins, vous pas contre côté qu'on va aller. L'objectif du chrétien, c'est que un jour nous connaissons. Bon Dieu vient pour retourner. Jésus-Christ vient pour retourner. Pour venir chercher l'église. C'est ça que fait moi-même, on a fait fort autant que nous capables, parce que nous croyons ça. Nous connaissons que bon Dieu a retourné. Il a venu chercher l'église. Mais qui est-ce qui l'église là? L'église là, c'est moi à coup. L'église là, c'est nous autres, en tant que frères, qui a lutté, qui a fait effort, pendant que nous on dit, Seigneur, nous voulons servir. Nous t'avons mis, ouais, au face à face. Mais on connaît, on pas capable, ouais, bon Dieu, si la vie n'est pas sanctifiée. C'est ça, serviteur Abdi, pour nous capables de rechercher ça. Parce que ces conditions, en d'autres termes, si les quoi non, pour ouais, bon Dieu, pour sanctifier, ou pas qu'à rentrer dans le ciel sans la sanctification. C'est un bagage qui est important. Et enfin, la sanctification, frère Maxime, au lit, sans faire ce choix, bon Dieu fait, pour moi, à coup. Oui, nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1er. Bon, 1 Pierre, chapitre 1er. Nous lisons parole Sayo. Nous dit la sanctification, frère Arsenio, c'est choix, bon Dieu, dans vision ligne fait pour moi-même à coup. Dieu,
dans 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 2, il dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ, que la grâce et la paix. Paul, Pierre a adressé à Mounsayo, oh ses frères, même je nous lis dans verset 1er, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, pour arriver jusqu'à nous. Il dit à tout Mounsayo, bon Dieu, mais ça que le fait, priez-lui selon sa préscience. Les choisis-yot, c'est lui-même qui fait ça. Comment? Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant. Donc, Pierre a baillé un résumé en fin de ça, le ça fait. Dans verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ d'entre les morts. Bon Dieu, il choisit moi-même à coup. Il choisit nous chaque pour nous capables de mener vie ça. Nous dit la sanctification dans le Nouveau Testament est liée au choix de Dieu, à l'œuvre de l'Esprit qui applique aux croyants les bienfaits associés à la mort sacrificielle du Christ et la résurrection. Il s'agit de vivre en obéissant à l'appel de Dieu, à la sainteté, selon 1 Pierre chapitre 1er, verset 14, verset 15, et à l'amour, selon 1 Pierre chapitre 1er, verset 22. Bon Dieu, livrez-nous pour nous capables de mener vie ça. La sanctification, en d'autres termes, frère, Hachem, c'est une réalité de la vie grâce à la mort du Christ sur la croix. Expérimenter la grâce et la présence du Saint-Esprit et qui permettent que moi-même à coup, n'a vive de jour en jour dans l'espoir pour nous capables de bon Dieu. Si l'objectif vous, matin, c'est pour qu'on soit capable de vivre Jean Covelé ou vivre sans jamais faire aucun effort. Même Jean côté Christ pour là, vous connaissez qui monde côté. Mais si vous pas décidé, vous prenez quitter bagaille côté conseil. Car libanons des âmes à notre disposition. Libanons des aides. Li mettez enfin l'esprit li dans nous. Libanons Jésus-Christ. Et il choisit nous pour nous capables ouais avec lui. Il dispose fait travail là dans nous. Seul bagaille que moi-même à coup, nous besoin fait. C'est pour nous obéir. C'est nous, et pour nous faire j'effort, pour nous faire ça bon Dieu mandé. C'est vrai longtemps, nous t'ai un homme qui était cupide. Nous t'ai remis l'argent. Nous t'ai qu'on fait n'importe bagaille pour me tromper monde. Pour me faire enfin n'importe bagaille. Moi menti, moi volé, moi fait tout ça que moi joine. Et vous connaissez en pile fois, là m'attendez, c'était enfin réseaux sociaux yo qui a parlé de comportement des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu. Ça fait nous triste, ça fait nous chagrin. Car le témoignage que nous tendez de Yoa, il fait nous en pile la peine. Qui moun qui t'a gen pifit yo pour t'attendre après j'effort que yo fait. Après bagay yo konnen yo fait pour pifit yo. Et qui t'a arrivé pour yo tande pifit ça que yo bay toute possibilité, toute bagay et puis qui s'allie de yo. Yon volé, yon assassin. Ça crase que parent, ça bouleversé. Parce que lui est tous très fort que le faire petit là. Mais petit là, pas comprendre. C'est comme ça, bon Dieu, il est moi-même avec vous. Témoignage nous, comportement nous, attitude nous, fait le triste.
bon Dieu qui relè nou an, frère Maxime yo, li se yon bon Dieu qui saint. Et li vle pou nou kapab mener yon vie de sainteté. Li pa kite nou pou kont nou. Li enfin montre nou que pendant que m'a mandé ou pou mener yon vie de sainteté ya, mais sa m ka fè pou. Non seulement m'choisi ou depi avant fondation monde là pou mener ya. Même ba ou le Saint-Esprit. M'ba ou Jésus-Christ. Et ça me demandait pour satisfaire justice moi faire dans Jésus-Christ, les li offrir li à la croix. Est-ce que tu as aimé participer dans processus ça ou qu'on capable de jour en jour faire j'effort autant qu'on capable pour reconnaître condition la vie, li pas droite. Nous avons besoin changer, ou besoin quitter vie passée car nous li si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Marchez selon l'Esprit et vous accomplirez les désirs de l'Esprit. Que le Seigneur, dans son amour, nous aide à marcher dans la sanctification afin de voir notre Dieu au dernier jour. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Nous on dit le Seigneur merci pour le message de sa parole. Nous on dit le Seigneur merci de ce que l'était utilisé notre bien-aimé frère Paul Compère au-dessus de la voix duquel il parlait à chacun de nos matins. Et avant que nous entendions la sœur Jokaël chanter le cantique au numéro 153, de la section française des centres d'espérance, nous voulons profiter d'un petit temps particulier pour saluer notre bien-aimée sœur Emma Dimanche. Emma Dimanche qui a fêté jeudi à même 93 années d'existence. Sœur Emma Dimanche a fêté 93 ans. Donc, nous remercions le Seigneur de ce que l'est accordé à notre bien-aimée sœur des jours et des années et pendant que la vive avec nous et pendant que la prodiguer à ses chers enfants la joie, la paix et plus particulièrement l'évangile. Nous demandons le Seigneur que le cas comblé de grâce et de bénédiction notre bien-aimée sœur Emma Dimanche. Joyeux anniversaire. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme nous t'ai annoncé, nous allons demander à la sœur Jokaël Cessant pour chanter les paroles du cantique au numéro 153 de la section française des chants d'espérance. Jésus, à toi, j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme, habiter désormais. Divine parole, brise toute idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Sœur Jokaël Cessant. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme habiter désormais. Divine parole, brise toute idole. Par ton Saint-Esprit, en moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi. Porte cet esprit en moi pur comme toi. Jésus du ciel, où ton trône est assis, montre la route à mes pas. Indécis, je te sacrifie mon cœur et ma vie. Par ton Saint-Esprit, en moi pur comme toi.
pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié. Donne-le-moi, divin et crucifié. Seigneur, qu'en serais-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts et recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen.